centre de l'appartement de chantier. Est-ce que vous pensez que vous serez dans les délais? Alors, dans les délais de la dernière estimation de ces délais, oui, c'est-à-dire on parle là d'octobre 2023 pour la première turbine qui alimentera 60 MW supplémentaires qui seront mis sur le réseau et permettront de passer les pointes qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et fin 2024 pour le reste du projet, c'est-à-dire les 7 turbines de 420 MW. Vous avez reçu la visite du ministre des Finances aujourd'hui au regard de quelques contrariétés financières pour que vous êtes sans doute tout à fait. Nous avons des discussions avec le ministre des Finances depuis une année à peu près sur un sujet qui est très technique, qui est un remboursement de la TVA. Mais nous avons un accompagnement global de la part du ministre des Finances depuis l'origine de ce projet, qui est une grande satisfaction pour nous. Et il nous paraissait indispensable, 3 ans après le début du chantier, qu'il fasse cette première visite. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Quelles sont les principales contraintes qui sont remontées sur le terrain? Alors, sur le terrain, nous avons beaucoup de contraintes de livraison, d'approvisionnement. Vous savez, il y a eu le Covid, il y a eu le post-Covid avec les problèmes de transport, d'approvisionnement sur les marchés internationaux. Et maintenant, quand il y a en Ukraine qui nous ferme quelques approvisionnements, sources d'approvisionnement pour le chantier. Donc c'est extrêmement difficile. Comme tout chantier, là c'est péripétie. Merci.